Nous vivons aujourd'hui dans une époque où le jeu vidéo devient de plus en plus accessible, que cela soit par les prix ou par les dispositifs mis en place par les constructeurs pour qu'un large public puisse jouer à leurs jeux. On peut penser notamment au projet Leonardo de PlayStation. Chaque jour, de centaines de jeux sortent et il arrive parfois qu'on ne sait plus où donner la tête. Trop de choix tue le choix. Dans le choix d'un jeu, pour la plupart des joueuses et joueurs, le facteur prix temps est à prendre en compte et d'autres, c'est le facteur prix expérience. Et dans ces facteurs, il y a un point qui revient sans arrêt, que cela soit dans les tests de JV ou pour la plupart des joueurs qui ne peuvent souffrir beaucoup de jeux chaque année et qui veulent que le prix qu'ils vont mettre dans un jeu vaut le coup. La rejouabilité d'un jeu fait partie du choix que le consommateur va faire. Rejouabilité désigne dans le domaine des jeux vidéo la qualité d'un jeu qui peut être rejoué une fois qu'il a été terminé. Jeu qui garde un attrait pour d'éventuelles futures parties, le terme peut également s'employer dans le domaine de la musique ou le cinéma. Et avant d'attaquer le sujet, je pars sous la direction du joueur qui réfléchit sur son achat et qui n'a pas forcément la possibilité d'investir de l'argent dans le JV. Cela peut être un joueur qui achète deux jeux à 20 euros chacun, ou un joueur qui achète 3 jeux AAA à 70 euros dans l'année. Comme dit précédemment, on voit régulièrement depuis des années la catégorie rejouabilité dans les tests de JV Press, puisque dans les tests vidéo, on en reparle peu. Mais quelles sont les mécaniques de rejouabilité? Nous avons les scores dans les jeux qui les incluent, qui nous poussent à faire un meilleur score, donc de rejouer au jeu, afin d'améliorer ce dernier, que cela soit un classement multi ou local. Puis, nous avons des défis. Une fois qu'on a terminé l'histoire d'un jeu ou sa partie principale, on débloque ou on a accès aux défis qui permettent un grand sentiment d'accomplissement lorsqu'on atteint un objectif. Cela peut être illustré par des défis secondaires quand on effectue une mission, comme ne pas mourir une seule fois dans Uncharted. Ensuite, nous avons le système de badge qui récompense les joueurs et joueuses d'avoir effectué certaines choses dans le jeu. Cela peut se manifester par des badges or, comme dans Horizon Turbo Chase, les trophées d'un jeu. Il y a une certaine forme de reconnaissance derrière tout ça. Enfin, nous avons le système de diversité avec le New Game Plus, où les ressources sont plus difficiles à trouver, les ennemis ont plus de PV, ou que le pattern des ennemis change, ou bien la structure du niveau se découvre sous un autre angle. Tout ce que j'ai cité peuvent pousser à la rejouabilité. La rejouabilité dans les jeux vidéo est devenue importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet aux joueurs de prolonger leur expérience de jeu et de découvrir de nouveaux éléments qu'ils n'ont pas vus lors de leur première partie. Cela peut également augmenter la valeur de revente du jeu, car les joueurs peuvent y jouer plusieurs fois. La rejouabilité peut être un facteur important dans le développement des personnages et des scénarios, en particulier dans les jeux vidéo avec des éléments de romance et d'agrément, ou encore on peut penser à certains jeux de rôle. Enfin, on revient au prix du jeu que le joueur achète, puisque la rejouabilité peut être un critère important lorsqu'il choisit un jeu à acheter, car cela peut leur donner plus de valeur pour leur argent. Les joueurs et joueuses sont très peu à finir et à rejouer leur jeu de manière globale. Les développeurs doivent tout de même penser à la rejouabilité si cela sont inclus dans les cahiers des charges. Pourtant, on rejoue à des jeux qui ne proposent pas forcément de rejouabilité de fou. De mon côté, je rejoue de temps à autre à certaines campagnes de Call of Duty pour le plaisir et puis basta. Ils n'ont rien de révolutionnaire ces campagnes, je cherche même pas les renseignements, c'est juste pour le plaisir. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent qu'on a envie de tout tester. C'est pour cela qu'on a parfois tendance à ne pas terminer un jeu ou de le rejouer. Mais pour le joueur qui achète peu de jeux dans l'année, ça reste un critère à prendre en compte pour lui, sauf s'il a une vision différente de ce qu'il veut prendre. Comme par exemple, un jeu qui lui procure une expérience inédite, puis l'achat d'un jeu qui peut être rejoué plusieurs fois dans les années qui suivent. La rejouabilité reste un sujet assez compliqué, mais tout de même assez vaste aussi, et ça sera intéressant de discuter de cela avec plusieurs profils de joueurs,
Mais si je devais conclure, la rejouabilité reste importante pour une partie des joueurs et joueuses, malgré que la rejouabilité n'est pas forcément nécessaire pour apprécier le jeu vidéo. Salut à tous, c'était Conseil. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis sur le sujet. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.